Yo les gars, c'est Kenar, j'avais oublié de vous faire la petite intro donc je vous la fais. Et puis alors les gars, on vous présente le serveur lunaire. Et puis il y a tout qui est expliqué par l'administrateur. Voilà, allez, ouverture aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis administrateur sur le serveur Lunaire MC. Je me présente, je suis MRezox et du coup je vais vous présenter Lunaire MC. Du coup, tout simplement, c'est un serveur 100% farm to win. Une bêta ouvre demain, voilà. Donc n'hésitez pas à aller vite participer dans le giveaway qu'on a sur notre Discord. Du coup, on a un giveaway en place pour des places pour la bêta. Donc normalement, il se termine demain à 13h. Donc il faut vite que vous alliez rejoindre notre Discord pour pouvoir potentiellement avoir une chance pour la bêta. Ça pourrait être vraiment vraiment très, très intéressant pour vous, pour que vous puissiez découvrir un petit peu le serveur. Donc il y aura 3 places à gagner, voilà, et une place pour chaque ami à vous. C'est-à-dire si une personne gagne, elle a le droit de donner une place à un ami à lui pour qu'il puisse visiter le serveur avec lui. Donc voilà, bon comment vas-tu Kylian? Eh ben je vais très bien et toi? Moi je vais super, je suis très content de te faire la présentation aujourd'hui du serveur. Ah bah moi t'inquiète, hein, ça me fait plaisir aussi. Hein. Du coup voilà, ça c'est notre petit spawn, voilà, qui fait plutôt plaisir. On n'a pas encore tout fini, hein, bien sûr, on va finir ça. Donc on a les petites box que je te présenterai après, tu me suis? Vas-y, 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 je suis. On commence avec ça, voilà. C'est une petite box salaire, tous les jours, tu viens à la même heure, tu fais clic droit. Ah bah 3316 euros, oui, d'accord. Ah bah tu viens de la chance, car c'est entre 1000 et 4000 dollars. En bas. Donc je vais te présenter les nouveaux crafts, avec des thèmes comment dire plutôt très intéressant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah il lance du sable. C'est un lanceur de sable. Voilà. Attends, okay. Ça a lagué. C'est un lanceur de sable. Donc c'est une houe de à Netherwart, simplement. C'est une houe qui permet de replanter la Netherwart directement. Voilà. C'est okay. Vraiment utile. Voilà. Donc le nouvel item, on se retrouve pour cet item qu'on a développé en très 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 peu de temps. Donc voilà, c'est un hopper de farm. Donc tout ce que tu casses dans un chunk, mets dedans. Voilà. Tu peux pas le poser ici normalement, mais c'est vraiment un item plutôt important qui peut être qui est difficilement craftable, bien sûr. Nether Star qui coûte 40 000 $. Et des blocs de diamants. Et des blocs de diamants, effectivement. Donc qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un spammer, c'est un arc qui a pas besoin d'être bandé complètement pour tirer des flèches. Un stuff lunaire, c'est un full P5 U5 auto repair et révulsion 1, c'est à dire il est incassable, il est impossible de se casser bien sûr. Il est craftable avec ceci, c'est un colorant d'émeraude. Et comment on le craft? Alors pour avoir ça, on a une chance sur 12 000 en minant de l'émeraude. Sur 12 000, mais bien sûr. Soupe magique, quand tu la bois, elle te donne des effets, elle te donne nausée pendant 30 secondes si je me trompe pas. Ok, mais alors pour... c'est pas moi qui dois la boire normalement. Si tu la bois, mais elle te donne des effets plutôt. Ah, et pas mal, sauf que t'as un désavantage, ça te donne nausée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc elle est craftable avec un colorant bleu. C'est un colorant issu du minerai de lapis lazuli. Okay. Je crois qu'on a une sur. 5000 je crois, comme ça. Même avec fortune ça augmente tes chances. Bon, slash je sais bien sûr. Ah merde, ça fonctionne pas. De farm, speed 2, ast 2 pendant 5 minutes. Craftable avec un minerai issu du charbon. Et une houe de cooldown. C'est-à-dire quand je te mets en combat, ou par exemple tu manges une pomme shit, et ben normalement t'as un cooldown de 25 secondes. Et quand tu tapes quelqu'un, ça met tous les cooldowns en secondes. Et elle est utilisable qu'une seule fois. Tu sais que. On voit ici, c'est une armure de farm, donc c'est très facile à avoir. Les effets qu'il te donne, c'est speed 2, force 1 et ast 1. Voilà. C'est vraiment conséquent. Okay. Ouais, mais tu prends ça avec la potion de farm, ouais, c'est plutôt plutôt intéressant. Que c'est que tu vois en face de toi? Oh oui. Boss, tout simplement. Le bloc de boss, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de faire spawn un boss. Voilà. Que tu poses par terre, ça fait spawn un bloc de boss. Bah tiens, tu vois gagner un boss qu'à spawn. Non, je déconne. Le timing qui est incraftable, c'est un stuff que obtensible avec des events. Ça te donne speed 2, force 2, je régénère 0,5 heures, peut-être 2 secondes. Ah, il faut que je mette ce que tu m'as donné là? Ouais, ne se cache jamais et chaussures légendaires. Qui te donne 2 coeurs pendant 5 minutes, c'est-à-dire même si
c'est un absorption pendant 5 minutes. Voilà, je peux pas perdre de cœur. Et ça te consomme 5 niveaux d'XP. Ah c'est bon, je vois là, c'est bon, j'ai accès là. C'est bon, j'en ai 10 là, c'est bon, nickel. Allez, mange là. Et la petite particularité, c'est que tu la gardes indéfiniment. Ah, mais par contre, si tu meurs, t'es foutu, c'est ça? Effectivement. Oula. Il va me passer un truc méga cheat encore, je le sens. L'épée légendaire. Ok, ça a pas été respecté, c'est pas grave, on l'a vu en plein direct, c'est gentil, bravo, c'est parti. Toujours pas tué. Bonne chance. Normalement, On fait des techniques, bien sûr, voilà, tac. Ah oui, putain, c'est pas des... Ah oui. Ok, vas-y. Oh, attends. La GMC. Hop, oh, 2 secondes. Alors, dis-moi, on commence par là. Alors, oui, ok. Alors là, on peut avoir jusqu'à 50K. Ok. L'XP. Ok, voyons voir. 10 blocs de fer. De l'arnaque. Encore 10 blocs de fer. Ok. Super. Jupiter, c'est ça? C'est celle-là. C'est ça? Ok. Ouais. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Ok, dégâts un peu plus gros, nickel, voyons voir. Oh, oh des spawners. Ah d'accord. C'est parti. Comme quoi on peut avoir pas mal de chance, hein. Dans l'ordre, ok, la terre. Allez, c'est parti. 100 000. Oh bah ça va, eh, je me mets plutôt bien. Ah, 0,5 PV. 30K encore, mais putain, mais je suis trop fort. Ah, ok. Allez, c'est parti les gars. Box Uranus. Alors pourquoi Uranus, c'est pas grave, mais ça c'est... Oula. Bah j'ai même pas l'intérieur. Je viens de recevoir quoi? Oh. Des hoppers, c'est quoi? Ah, des entonnoirs, ok, d'accord. Ok. Et la dernière, s'il te plaît, me donne pas des... Oh. Ah, putain. Ah, oui. Alors, le petit slash menu, voyons voir. Tu cliques sur boutique. Non. Bon bah le bungee core au serve, ok, bon c'est pas grave. Moi sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Kylian. Et puis on se redonne rendez-vous demain, bah alors, en gros aujourd'hui, pour l'ouverture de la bêta. Salut à tous et bye.